Coucou. Bonjour famille. Pardon, faut mettre écouter sur ton truc là. Coucou. Bonjour. Pardon, faut mettre écouter sur ton truc s'il te plaît. Ok. Bonjour famille, je vais mettre musique et puis on va parler. Partagez, invitez vos camarades. Partagez famille. Coucou. Bonjour famille. Venez, hein, famille, je suis encore là. Président ST, le milliardaire Besté. Partagez, invitez vos camarades. Invitez vos camarades, hein, famille. Faites salut, hein, famille. Ok, famille, bonjour. Partagez. On va parler ce matin aussi. Richaka, sois salué. Mélissa, sois salué, ma copine. On va écouter un peu de musique. Digue, digue, sois salué, ma combattante. Merci pour ton partage. Chena Bretto, sois saluée, ma soeur. Partagez, je veux faire passer un message, c'est important. Partagez, je veux faire passer un message. Marie-Jeanne Tago, sois saluée depuis ta position. Faut partager, ma chérie. Faut partager. Je vais faire passer un message très important. Faut partager. Voilà, ça va se retourner vers eux, famille.
Soyez salués depuis votre position. Et dit Denegan, toujours dit Maman Gbagbo. Famille, je reviens encore sur le sujet que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est avant-hier, j'ai fait un direct où j'ai posé la question à la population, où j'ai posé la question aux gens. Vous dites, moi, j'ai dit que je n'ai jamais, je comprends rien, je comprends pas. Ils ont dit qu'ils veulent faire leur nouveau parti, le nouveau parti du président Gbagbo Laurent. Pourquoi ils veulent que les gens dissuent leur parti politique? C'est Van Kipré, il est le premier à dissoudre son parti politique parce que lui, comme il a tellement imité la signature du président Gbagbo Laurent, il a volé l'argent du président Gbagbo Laurent. Pour ne pas que le président retourne contre lui, lui était le premier à dissoudre son parti politique et aller le rejoindre. Soyez salués de votre position. Soares, Ruth, bonjour. Donc, famille, je suis venu ce matin pour vous dire, pour vous parler, il faut que vous écoutez bien, pour vous parler, pour vous dire, il y a des choses qui se passent, vous n'êtes pas au courant. Si nous, on ne vient pas vous dire sur la toile, si vous ne serez pas, parce que vous serez bleu, c'est que tout ce que les gens là font aujourd'hui. Je viens vous poser la question encore ici. Pourquoi les gens veulent que les gens payent 1 000 francs, 1 000 francs pour être un parti politique? Pourquoi ils veulent que les gens payent 1 000 francs, 1 000 francs? Les 1 000 francs que les gens que vous payez là, c'est la carte d'adhésion ou bien c'est pourquoi? Famille, ce matin, hier j'étais là tranquillement et il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, ma fille, je vais te dire passer, il faut faire passer le message. Vous savez pourquoi le président Gbagbo Laurent allait à Daoukro? J'ai dit non. On dit ok. Vous savez, de la manière vous dites que vous avez infiltré nous, nous qui sommes à Paris ici là. C'est comme ça, nous aussi, on vous a filtré aussi que les gens qui sont autour de vous. Joseph, Tagbo, sois salué. De la manière vous avez infiltré aussi à côté de nous. Nous aussi, on a fait pareil aussi à côté de vous. D'accord? Donc, du coup, pourquoi le président Gbagbo allait voir le président Bédié à Daoukro? Famille, je vais vous dire ici. Alors qu'ils font comprendre aux gens que les gens n'ont pas payé 1 000 francs, 1 000 francs pour adhérer le nouveau parti du président Gbagbo Laurent. Je ne sais pas si c'est la carte d'adhésion ou si c'est pourquoi. Alors que le président Gbagbo Laurent allait voir le président Bédié, j'ai dit, nous, on a de la manière, vous aussi, vous êtes assis là. C'est comme ça, nous aussi, on est assis. Voilà. Quand vous finissez de vous péter là, ça vient chez nous ici. D'accord? Le président Gbagbo Laurent allait voir le président Bédié pour qu'il lui donne l'argent pour financer son parti politique. À ce moment-là, les 1 000 francs, 1 000 francs que vous dites que les gens n'ont qu'à donner, c'est pourquoi? Parce que si le président Gbagbo Laurent allait voir le président Bédié pour qu'il lui apprête l'argent pour financer son nouveau parti là, les 1 000 francs, 1 000 francs que les gens doivent donner là, c'est pourquoi? Coute-toi Viviane, sois salueuse, maman. C'est pourquoi? Partagez famille. Il faut que le message passe. Parce que la marmaille qui est autour du président Gbagbo là, depuis longtemps, on vous fait comprendre. Depuis longtemps, on vous dit que ce n'est pas bon. Ça là, ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas bon. Ouvrons nos yeux. Vous êtes des gens, mais vous n'êtes pas mouton. Vous n'êtes pas mouton parce que tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas bon. C'est logiquement quand on veut créer la partie politique là. On crée la partie politique. Quand on finit de créer la partie politique, c'est là que les gens, ils payent pour rentrer dans la partie politique, pour avoir la carte d'adhésion. C'est pas comme ça, famille. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas encore créé parti politique. Ils encaissent les gens 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs pour que les gens soient dans la partie politique. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Jusqu'à même vous poussez les gens pour dire, faut dissoudre. Toi, ton parti politique, faut dissoudre pour que tu rentres dedans. C'est quoi le projet, famille? C'est quoi le projet? Et quand on fait comprendre aux gens, les gens, il y en a certains même qui ne comprennent pas, il y en a certains qui menacent, il y en a certains qui t'insultent. Vous-même, quand vous me regardez là, moi, la menace, mes moyens, quand vous regardez mon vilain visage là, quand vous me regardez là, moi là, les menaces à mes moyens, la personne qui va me menacer, puis j'ai quitté sur les réseaux, je n'ai pas connu. Ouais.
J'ai dit, c'est que moi, qui va sortir dans ma bouche, la personne qui va me menacer pour dire tu n'as pas, j'ai dit, de la manière vous avez frustré nous ici, vous avez dit que vous avez les gens parmi nous. Nous aussi, on a des gens à côté de vous. Quand vous finissez là, nous on est au courant. Et ce qui me fait mal, la population, on essaie de les faire comprendre, mais ils sont tarés dans la tête. Je ne comprends pas. François Kouadio, sois sérieux, frère. La population, on essaie de les faire comprendre pour dire cette dame qui est à côté du président Gbagbo Doran, depuis longtemps, ils ont créé la rébellion et c'est une rebelle, ils l'ont mis autour du président Gbagbo Doran. Que vous ne savez pas parce que Nadi Bamba, le président Gbagbo Doran avec Maman Simone, ils sont forts politiquement. Avec Papa Abdourahmane Sangaré, Bokoua Doudou, père son âme, qui tenait même le Front Populaire Ivoirien, qu'ils sont venus d'abord, ils ont assassiné, d'abord pour l'écarter, pour l'enlever, pour que le FPI soit affaibli. D'abord, c'est pour ça qu'ils sont enlevés. Parce que le papa Bokoua Doudou, il était fort. C'était un juriste, il était fort. C'était un point clé pour le président Gbagbo Doran. Ils sont venus l'enlever. Pourquoi ils ont commencé par lui? Ah ben, ma soeur, c'est ça la question. Je vais arriver là, t'inquiète. D'accord? Pourquoi quand ils sont la rébellion est venue, pourquoi ils sont venus tuer Papa Bokoua Doudou? Vous ne pouvez pas réfléchir? Vous ne pouvez pas analyser? D'abord, faut tuer d'abord le lui-même qui tient le flambeau du Front Populaire Ivoirien, il faut l'enlever. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils ont tué Bokoua Doudou. Ils ont affaibli le parti du président Gbagbo Doran. Seigneur, toi dis, sois sérieux, frère. Sois sérieux, combattant. D'accord? Et Maman Simone avec le président Gbagbo Doran, ils sont forts politiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener une rébelle. Cette dame-là, ils l'ont préparée longtemps, une rebelle à côté du président Gbagbo Doran. Et comme lui-même, il a dit qu'il aime la chose, il faut aller. Ils l'ont mis à côté. Et elle a promis la France, elle a promis Ouattara pour dire la chatte du Nord, il faut écarter. Pourquoi elle en veut Blé Goudé? Il faut écarter Blé Goudé. Il faut écarter ceux qui sont autour. Comme ça, à l'avenir, ils vont nous imposer un Kone Kantina, la chatte du Nord, pour que le pouvoir reste au Nord. Je ne suis pas contre vous, hein, les Nordistes. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire ouvre les yeux. Nous, on est fatigués de parler. Tout en vous dit, ce qui arrive là, c'est le danger pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les gens qui aiment la souveraineté du pays. On vous dit, le parti là, pourquoi le président Gbagbo Doran qui aime discuter tant? Lui qui dit, asseyons-nous et discutons. Lui, il quitte à Bruxelles, il ne discute pas. Il vient. D'abord, il ne discute pas avec Blé Goudé. Il ne discute pas avec Maman Simone. Il ne discute pas avec... même si Afingé sa maman s'est imposé à lui, assis-toi avec lui et discute avec lui. Pour dire, voilà, je veux qu'on fasse comme ça. Si Afingé sa dit non, ok. Comme Afingé sa dit non, d'accord. Comme le Front Populaire Ivoirien, s'il y a des tests qui nous disent, on va aller au Congrès. Quand on va au Congrès, qu'on finit, les Ivoiriens vont voter qui veut pour qu'ils dirigent le Front Populaire Ivoirien. Est-ce que ce n'est pas comme ça, famille? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Non, le monsieur là, il ne discute pas, il vient, il donne les proverbes. Non, quand tu sors dans ta maison et quand tu trouves un caillou devant ta porte et ce caillou-là, ou tu le cognes, ou bien où tu le sautes, ou tu le continues. Vous nous prenez pour des tarés ou quoi? Le président, j'ai dit, quand tu étais à l'AE là, nous là, ici là, la tête, elle réfléchit. On t'a pas suivi pour que on soit abruti et puis te suivre aveuglement. Nous là, quand on te suivait là, c'est à cause de tes idées. C'est à cause de la vision pour la Côte d'Ivoire qu'on t'a suivi. Mais si tu reviens que tu dérapes, nous on va pas te suivre dedans.
on ne va pas te suivre dedans. Maintenant, ma question que je suis venu vous poser sur Bante, pourquoi les gens doivent payer 1000 francs, 1000 francs? Famille. Oui, Abdourahmane Sangaré, tout ça là. Abdourahmane Sangaré, sa mort, ils ont tué beaucoup de Dudon. Comme le papa Abdourahmane Sangaré, il a toujours dit, Simone Gbagbo, c'est elle qui a pris courage pour dire, allons créer le parti politique. Et comme il a toujours parlé de Simone, sa mort là, c'est quand maman Simone est sortie en prison. Écoute bien, va écouter encore le discours de maman Simone. De la manière elle a fait son atalakou là, ça n'a pas plu à soi d'où. Il était à côté, il était à la droite de maman Simone, et puis il était là. Alors qu'en contre-cœur, il dit, toi, j'ai fini et toi. Parce qu'il faut que tu quittes à côté de Simone Gbagbo pour qu'elle soit faible. Comme ça, on va arriver à notre mission. C'est ça. Et comme des gens sont autour, c'est un truc préparé depuis longtemps. Et nous, là, comme on n'est pas mouton, c'est vrai, nous, on n'a pas de diplôme. Mais on réfléchit avec notre cerveau. On réfléchit avec notre tête. Nous, on ne boit pas de l'eau par nos narines. On ne boit pas de l'eau par nos narines. Quand vous venez nous parler, puis on t'écoute, ça veut dire que la personne sait ce que... C'est qui toi, tu penses déjà, il sait ce qu'il va te dire. J'ai dit, moi, avant de commencer à faire des directs, là, j'ai suivi des juristes. Avant de venir faire les directs, j'ai suivi des juristes de 2010. Quand on dit qu'il y a des conférences, je vais m'asseoir puis j'écoute. La voici dans la confiance, sois sérieux, ma soeur. Gay Irène, maman, sois sérieux. D'accord? Moi, là, avant de commencer à faire des directs, j'ai suivi en 2010. Ceux qui me connaissent, maman Irène, elle me connaît. Elle me connaît parce qu'elle sait que moi, là, quand on dit ben, conférence, je suis là-bas. Et je suis assis. Et puis j'écoute, j'ai mon stylo, et puis j'écris. Et puis mes livres même que j'ai achetés, j'ai commencé à lire au fur et à mesure. J'ai dit, hein, donc la politique, tu peux le faire avec courage, détermination. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes directs. Et j'ai compris, j'ai dit, la politique, là, si tu es courageux, tu as les idées, tu réfléchis, là, tu peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes directs. D'accord? Ne nous prenez pas comme des idiots parce que même Laurion Detta, elle n'a pas de niveau intellectuel. Elle et moi, on a même niveau. Mais elle et moi, on peut faire débat au calme. Mais quand vous venez puis vous insultez là, nous aussi on sort puis on insulte. C'est comme ça, ça y est. Les injures là, c'est vous qui avez amené ça. Parce que vous avez payé à l'aide des athées. Depuis longtemps, vous avez amené le Mauritanien qui est là-bas pour venir rentrer en bas de patron de maman Simone pour déposer au dehors. Scandale. Moi, j'ai crié scandale. Pourquoi on est sorti dans la rue? Non. Si on a crié l'injustice là, on ne peut pas mener une personne qui a souffert pour la Côte d'Ivoire. Jamais je vais accepter. C'est moi. J'ai pris le nom de Gbagbo et puis j'ai donné à mon enfant. On ne m'a pas dit de le faire. Hein. C'est moi, j'ai pris ce courage. Puis j'ai dit, le monsieur là, il ne mérite pas que son nom va être en France ici. Et c'est moi, j'ai donné le nom Koudou Gbagbo en France ici. Et au calme. Sans avoir peur. D'accord? Donc quand les gens parlent là, Salmatou, sois salué ma soeur. Donc, ma question que je suis venu vous poser là, pourquoi les gens doivent payer 1000 francs? Pourquoi les gens doivent payer les 1000 francs? C'est les cas d'adhésion ou bien c'est quoi? Parce que le président Gbagbo Laurent allait voir le président Bédié pour lui financer son nouveau parti. Alors que Nandi Bamba, l'argent que le président Gbagbo Laurent lui a donné, l'argent de pétrole de la Côte d'Ivoire, elle pouvait prendre ça pour financer? Elle pouvait prendre ça pour financer? Ou bien c'est fantiplé, l'argent volé là, il pouvait prendre ça? Alors qu'ici là, il avait des mallettes d'argent. Il avait des mallettes d'argent, il avait 3-4 personnes qui étaient son garde-corps. Pourquoi vous cherchez l'argent? Pourquoi vous voulez que les gens payent 1000 francs, 1000 francs? Venez me donner ma réponse ici. J'ai dit, venez me donner ma réponse. Sinon, le soir, je vais encore faire une autre tape parce que j'attends ma réponse. Venez me dire pourquoi? Pourquoi vous voulez que les gens payent? Pourquoi vous voulez que
que les gens continuent à souffrir. Le peuple de Côte d'Ivoire, pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire doit souffrir tout le temps? Pourquoi? C'est quoi votre projet? Pierre Babi, sois salué. Oh les cœurs. Voilà, on aura la victoire. Et moi, je crois, ma victoire là, je l'aurai. Et moi, je ne suis pas sorti dans les rues pour rien. Ma victoire là, ma liberté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, on l'aura. Donc, c'est à nous de croire. Sans qu'on nous paye, sans qu'on nous, on nous balance les petits billets et puis laisser ce qu'on a à faire. Donc, merci le frère. Donc, venez me dire ici, pourquoi les gens doivent payer les 1000 francs, 1000 francs? C'est quoi? Le parti politique n'est même pas co-créé? Alors que le même parti politique, s'ils ont créé, c'est Ouattara qui doit valider. C'est quoi le projet? J'ai dit, de la manière vous êtes assis, que vous savez ce que vous savez, vous dites que vous êtes infiltré parmi nous. Là. Nous aussi, on a des gars parmi nous. Quand vous finissez de décider là, ils nous appellent pour dire, nous on ne peut pas parler. Voilà ce qu'ils ont été mettre en place. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Pourquoi les gens doivent payer les 1000 francs, 1000 francs? Maintenant, pourquoi le président il va voir Bédier pour que Bédier lui donne l'argent pour financer sa campagne? En ce moment, les 1000 francs que les gens doivent payer là. C'est pourquoi? C'est quoi le projet? Vous n'êtes pas fatigué de la marmaille? La Souadou là. Vous n'êtes pas fatigué de la marmaille? La Kone Katina là. Vous n'êtes pas fatigué la marmaille? Vous qui êtes autour de Gbagbo Laurent là. Vous n'êtes pas fatigué de la marmaille? J'ai dit, nous sommes des yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes des oreilles du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes, ça veut dire, c'est nous on voit derrière, c'est nous on voit devant. La conscience des Ivoiriens là, c'est nous. Parce qu'ils sont, obligés de nous écouter. Ils sont obligés de nous écouter. C'est vrai, hein? Nous on n'a pas arrivé loin d'études. C'est vrai, hein? Moi-même, je n'ai pas de diplôme. C'est vrai, moi-même, là, je n'ai rien. Moi, là, c'est pas l'école qui m'a fait venir en France. Moi, c'est mon là qui m'a fait venir en France. C'est mon là. Mon là, là, c'est mes deux pieds. D'accord? Ça, donc, je le fais gratuitement. Donc, un jour, je ne demande pas, parce que si je le fais, non, un jour, je dois avoir un poste dans le gouvernement. Je n'attends rien de ça. Mais je le fais pour la liberté de mes frères qui sont à l'école, qui ont des diplômes, qui sont assis et puis vont jouer dames. On le fait pour l'avenir. Quand on dit l'avenir, là, c'est les enfants quand ils vont à l'école. Aujourd'hui, il y a un enfant même de CP1. Il ne sait même pas écrire son nom en Côte d'Ivoire. Et c'est triste la réalité. D'accord? Et ça fait pitié. Quand on voit que les gens, même les hôpitaux qui sont là, ils ne sont pas capables. Vous n'êtes même pas capable de critiquer Ouattara et Maman Simone, votre cible. C'est quoi votre projet? C'est quoi la vision de la Côte d'Ivoire? C'est quoi? La vision de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Venons-nous d'ici. C'est quoi? Pourquoi les gens doivent payer les 1000 francs? 1000 francs? Famille, j'ai dit, je suis assis. Hein. J'ai dit, le 16 et le 17. On va 15 ans. Si vous ne restez pas tranquille. J'ai dit, le 16 et le 17. On a 6. Hein. Si vous n'arrêtez pas, on finit vous. Et puis je vous dis, hein, vous qui êtes là, quand on parle, et puis vous venez insulter là. Vous attendez que cette sorcière-là ait fini le président Gbagbo Laurent avant que vous réagissiez. Vous voulez que est fini avec le président Gbagbo. Cette rebelle qui est autour du président Gbagbo, il y a longtemps, ils ont préparé ça. Il y a longtemps, ils ont préparé ça. Je vous dis ici, hein, le jour qu'on a fait Kodjo Rouge, là, il y a une personne qui est venue nous dire. En ce moment, le président n'était pas quoi. Il n'a pas quoi dit, il a quitté. Le jour où on a fait le deuxième Kodjo Rouge, là, il y a un jeune qui est venu pour dire le président Gbagbo, ils vont la quitter. Mais ils vont nous mettre une femme à côté de lui. Qui va tout gérer. Qui va faire même que le président même. Tout ce qu'il va faire même.
Il ne va pas regarder. C'est depuis ce jour-là. J'ai dit, je suis assis. Hein. Dominique, bonjour. Je suis assis. Oui, ma soeur, je vais comment? Je suis assis, j'ai dit, vous allez faire que on va plus, on serait sans pitié. Voilà. Vous allez faire qu'on serait sans pitié. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour la Côte d'Ivoire. Mélanie, sois sérieux, ma soeur. D'accord? Vous allez faire qu'on serait sans pitié. Effectivement, ils ont dit. Quand le président Gbagbo Laura, d'abord avant de la quitter, vous avez attendu ça sur France 24, tout, pour dire que non, il a une deuxième femme qui est à Bruxelles, alors que Dali Fabrice soit salué. Alors que Agathe Nguessan, bonjour maman. Alors que Madeleine Kondo soit saluée, ma grande soeur. Sois salué. Merci pour ton direct que tu viens de faire. Merci beaucoup. Et c'est ça, c'est des gens comme vous qu'on a vraiment besoin en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas, à l'hôpital, quand tu t'en vas, que tu es malade net, ils te mettent sérum, alors qu'ils ne savent pas si tu es diabétique ou si tu es... C'est ça. J'ai un frère qui est mort comme ça, alors qu'il est diabétique. Dès qu'il est parti à l'hôpital, ils n'ont même pas vu plus de sang. Tout de suite, on lui a mis ballon. Aujourd'hui, là, le jeune, il est mort. Il a laissé 5 enfants. Il a laissé 5 enfants. Sa grande soeur, elle est ici. D'accord? Donc, c'est des trucs comme ça. La Côte d'Ivoire a vraiment besoin de ça. Au lieu de qu'ils vont prendre l'argent pour aller déposer dans les autres pays, l'argent volé, contribuer du peuple de Côte d'Ivoire. Et nos parents, là, souffrent comme ça. Et nos parents, là, ils souffrent comme ça. Vraiment, merci. Et on a vraiment besoin de toi. À l'avenir, il faut que tu te prépares pour aller sauver nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je travaille à l'école. Je sais comment ça se passe à l'école. Donc, chaque personne a son domaine. Voilà. Merci, merci pour ton direct. Merci, merci maman. Jean-Pierre, bonjour. Donc, famille, donc je disais, le président Gbagbo Laurent, on l'a pas quoi quitter. Hein. Et puis, on dit à trouver où il va aller vivre. Où il va aller vivre. Moi, c'est depuis cela. J'ai dit tout ce que j'ai dit depuis que je suis rentré. J'ai dit, moi, j'enregistre dans ma tête. J'enregistre dans ma tête. Et c'est comme ça que le président Gbagbo Laurent, où il était à Bruxelles, là. Moi, je suis allé chez lui à la maison. Je ne suis pas rentré. Hein. J'ai dit, moi, j'ai vu, je voulais voir. Parce que sa vidéo qui est à tourner sur les réseaux sociaux, où une personne parle pour dire, voilà votre président célèbre. Voilà lui qui passe ici. Quand j'ai regardé, et puis j'ai regardé, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que je vais là-bas. Oui, France 24. Voilà. Oui. J'ai dit, je vais là-bas. Et nous, là, mon élément, Virginie vient te dire, je te dis merci. Et puis voilà. Mon élément, Marcus, c'est nous. Et puis on s'est levé. On a loué voiture. Et puis on est parti à Bruxelles. Et puis on allait devant la porte du président Gbagbo Laurent. On est resté là. Et puis on est resté là pendant un moment. Et puis on a dit OK. Nous, on a fait parcours qu'il a fait. Comment les gens, ils ont filmé. Comment ils ont fait. Et puis les gens ont fait direct. Et puis on a fait comme. Les enquêteurs, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a vu, mais cette fille-là, il y a longtemps qu'elle a préparé ses coups. Le président Gbagbo Laurent, personne ne marche dans les rues. Là-bas, c'est une autoroute. Et puis là-bas, c'est des résidents, c'est que les ambassades qui sont là-bas. On ne peut pas te croiser comme ça. Tant que quelqu'un n'a pas dit, viens me filmer là. On ne peut pas croiser quelqu'un comme ça. C'est comme ça qu'on a dit, hein. Donc, quelqu'un même pouvait tuer le président Gbagbo Laurent puis partir sa voiture. Ça veut dire, c'est deux routes. Je ne sais pas comment expliquer. C'est deux routes. Il y a l'autre qui vient comme ça, il y a l'autre qui vient comme ça. Les gens ne marchent pas à pied. Le monsieur qui a filmé le président Gbagbo Laurent pour dire, voilà votre président célèbre qui passe là. Il est quitté où?
Ça veut dire que c'est le plan de Nandi Bamba qu'elle a préparé. Comme le président Gbagbo Laurent, il est venu à Bruxelles, comme il ne peut pas parler, d'abord, le top 1, on va faire ça pour balancer sa photo sur les réseaux sociaux. Et puis, on va voir comment les Ivoiriens vont réagir. On va voir comment les Africains vont réagir. Famille, ma question que je reviens, j'ai dit, on est dedans. Nadi, on est dedans jusqu'à Las Caras. Ou c'est toi qui vas céder, ou c'est nous on va céder. J'ai dit, le jour que moi je vais fermer ma bouche, peut-être ce jour-là, je suis dans la tombe. Sinon, tant que je suis encore vite, toi et moi, on va jusqu'à la gare. Et c'est au calme. D'accord? Donc, ma question que je pose toujours, pourquoi les gens doivent payer 1000 francs? C'est la carte d'adhésion ou bien c'est carte de quoi? Pourquoi les gens doivent payer 1000 francs? Donc, vous n'avez pas encore fini la marmaille encore? Peuple de Côte d'Ivoire, il est temps que vous vous réveillez. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit ce qui se passe là, c'est pas bon. Dumbia Juju, le Gangaba, sois salué. Je suis au serré. D'accord? Je vous dis, cette fille-là, il y a longtemps, ils l'ont préparée. Voyez son visage même. Regardez même sa manière de faire. Ça prouve que c'est une sorcière qu'ils ont déposé. Un truc préparé depuis longtemps. Pourquoi les gens doivent dissoudre leur parti politique? Pourquoi, Nandi, pourquoi tu en veux tant à Brégoudé? Pourquoi tu n'auras la peau de Brégoudé tant que toi, tu es à côté du président Gbagbo Laurent? Hé, peuple de Côte d'Ivoire, il est temps que on vous fait comprendre. On vous explique, matin, midi, soir, voilà ce qui se passe. La marmaille qui est autour du président Gbagbo Laurent, c'est pas normal. Parce que un cibico mauritanien comme ça, il ne peut pas se lever pour dire c'est notre cible, c'est Simone Gbagbo, notre cible, c'est Brégoudé, notre cible, c'est Afingessa. Ça devait vous interpeller tout de suite. Pourquoi c'est Simone Gbagbo qui est notre cible? Pourquoi ce n'est plus Ouattara? Ouattara qui détruit la Côte d'Ivoire. Ouattara qui a signé le vice-président à son fils, qui est là, qui détruit la Côte d'Ivoire. Lui n'est pas votre cible. Oui, l'argent volé de Nadi, elle prend ça pour distribuer aux gens. Les gens comme tu n'as pas de dignité, qui sont autour, qui disent qu'ils aiment la vision, c'est le président Gbagbo Laurent. La vision, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez expliquer? Si la vision est un individu, où allons-nous? À ce moment, pourquoi on marche? Pourquoi on dit, on demande la souveraineté de notre pays? Pourquoi on dit, on demande la liberté de notre pays? Pourquoi on dit, on demande le budget monétaire de notre pays? Pourquoi? Si la vision est le président Gbagbo Laurent, s'il n'est pas le porteur de la vision, pour qu'on puisse aller à notre souveraineté, si c'est lui qui est la vision, pourquoi on se casse la tête alors? Ça veut dire qu'on doit se taire. Ça veut dire que tout ce que la France demande, on doit accepter. Parce qu'on n'est pas prêt pour sortir dans ce pain-là. Donc, je reviens encore dessus. J'ai dit, de la manière, vous avez des gens autour de vous pour dire que vous avez mis les gens à côté de nous, qui nous suivaient de près, qui s'entourent. C'est comme ça, nous aussi, on a quelqu'un. Pourquoi les gens doivent payer 1000 francs? C'est quoi votre projet? Nadi, tu as l'argent volé de Côte d'Ivoire. Tu peux prendre ça pour financer ton parti politique. C'est pas ça? Stéphane Tipré, tu as l'argent volé de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu fais tout pour ne même pas que maman même s'approche parce que tu sais qu'avec maman là, l'argent que tu as volé là, elle va, tout le monde va découvrir qui tu es. Donc, il faut écarter la femme là. Il faut la chasser même. Il ne faut pas va s'approcher à côté de son mari. C'est quoi votre projet? J'ai dit, on a jusqu'à la gare. Votre marmaille là, jusqu'à la gare, parce qu'on est sur vous. De la manière vous avez dit que vous nous contrôlez, c'est comme ça, nous aussi on vous contrôle. Il est temps que vous arrêtez. Sonaki, sois salué ma grande soeur. Et quand je vois certaines femmes qui sont là, et même ils sont femmes,
Et quand ils voient le comportement, alors qu'ils se disent qu'ils sont mariés, alors qu'ils se disent qu'ils ont un mari à la maison, et puis ils applaudissent, malheur de notre femme. Alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter ce que maman Simone supporte. Et quand je vois ça, comme une personne, comme Nandi, hein, comme Tina, toi aussi tu parles, toi aussi tu viens faire des postes, va pleurer ton enfant pour le moment. D'accord? Tina, va pleurer ton enfant. Toi, une femme où il y avait le cadavre de ton fils, tu as laissé le cadavre, aller partir, jouer avec Ahmed Bakayoko, toi tu oses parler ici? Hey, faut arrêter, hein? Tina, j'ai dit, il faut arrêter. Ouais, vraiment, tu dis, tu es folle, là. Il y a des folles aussi comme ça. Il faut arrêter. Faut pas venir faire des commentaires. Quand les gens font des posts, là, ne veux pas venir écrire dessus. Sinon, tu vas apprécier. Regarde-moi bien. Vraiment, tu dis que tu es bête, gourou, là. Moi, je suis Nyambo, 100%. Voilà. Ton mari, mais que tu dis ton mari, là, tu fais pas attention, là. Il serait dans le lit de quelqu'un. Faut pas, moi, me lance pas des filles. Oui. J'ai dit, je suis Nyambo, gué, gué. On ne lance pas dessus. Si tu lances des filles là, tu vas apprécier le temps que tu vas. Et puis, on ne va pas aller loin. Dans ta maison. Propre. Et on va voir ce que tu vas faire. Donc, nous là, il ne faut pas nous lancer des filles. Moi là, on ne me lance pas des filles. C'est pour ça que moi, mon homme là, je n'ai pas de rival. Ce n'est pas on. Ouais, c'est comme ça, ça y est. Ou c'est moi, ou c'est elle. Le père de mes enfants, c'est moi-même qui dis il ne veut plus. C'est pas lui qui a dit il ne veut pas. C'est moi-même qui dis il ne veut plus. Donc, faut arrêter, Tina. Ferme-la. Va chanter. Je ne sais pas si tu es une chanteuse. Va. Occupe-toi de tes petits-enfants. Les enfants de Arafat, là. Occupe-toi. Quand tu es une grand-mère, tu prends soin de tes petits-enfants. Tu prends soin de tout. Enlève ta bouche là dans nos affaires. D'accord? Tu enlèves ta bouche dans nos affaires. Toi, tu peux accepter. Toi, nous pocler comme ça, toi, tu peux accepter. Faut arrêter, hein? Sinon, on assise aussi sur toi. On connaît tout sur toi. Tu sais comment je t'ai connu, toi, Tina? Tu sais comment je t'ai connu? C'est à Gagnoua. Quand tu es venu chanter à Gagnoua, là, j'étais à Gagnoua. C'est là-bas. Toi, je t'ai connu. Je sais ce que tu as fait ce jour-là. Hey, quand les gens sont là, puis ils ne parlent pas là. Ne prenez pas les gens comme idiotes. Quand Alette Zaté a insulté Maman Simona, tu ne pouvais pas écrire? Ou bien tu n'avais pas de yeux? Ou bien drogue que tu prends là, ça t'a traumatisé, tu ne sais pas ce que tu devais dire? Valentine, Corée, Gégé, bonjour maman. Non, elle est. C'est elle, Tina Spencer, c'est elle. C'est elle, maman Tina, la maman d'Arafat. Hein? Et toi, tu vas venir insulter les gens sur ton. En plus, mais c'est pas toi qui as fait le poste. Hein? Poste de quelqu'un d'autre. Et puis, quand les gens font des postes, là, c'est vous qui venez commenter. Vous dites que, est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui détient le passeport de Blaise Goudé? Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui fait des passeports? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous qui venez faire des commentaires à la bande d'école, là, vous êtes malade? Ça ne va pas dans votre tête? Ben, tu n'as toi, je te comprends. Parce que toi, quand on te donne là un peu, je sais que Nadi même t'a donné un peu. Donc tu es venu écrire tes balivettes là, tu poses des gens. Toi, tu ne peux pas vivre sans l'argent. Parce que l'argent, on peut t'acheter tout de suite. Femme comme ça là, toi tu oses écrire. Hé, hey, faut arrêter, hein. Sinon, on finit, hein, toi. Faut arrêter. Vraiment, tu dis tu es zinzin là. C'est comme ça, nous aussi, on est zinzin. Mais on se calme parce qu'on a des enfants. Tina, nous là, on se calme parce qu'on dit qu'on a fait des enfants. Parce qu'il faut arrêter. Il faut changer de comportement. C'est pour ça que nous là, on calme notre comportement. Si on dit qu'il y a quelqu'un qui a un sale comportement, là, c'est moi.
Mais je cache mon comportement. Je ne veux pas que les gens sachent mon comportement. On me connaît chez moi. Tu vois, de la main, je suis petite là. Quand je m'énerve là, je deviens grand. Quand ma folie s'élève là, je deviens grand. C'est pour ça que je prends beaucoup sur moi. Je vous ai toujours dit ici. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont calmé. Et le nom que je donne à mon enfant, ça m'a calmé beaucoup. Quand on dit zinzin là, c'est moi. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de mourir. Ou on dit c'est là, il ne faut pas aller, c'est là que je m'en vais. Et puis je vais voir ce que tu vas faire. Donc, Tina, il ne faut plus venir faire tes commentaires et puis insulter tout le monde. Maman Simone, ce qu'elle subit là, toi-même, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas subir petit même. Tu vas péter plomb. Donc, il faut arrêter. Quand je vois les femmes qui disent, ouais, non, c'est rentré ici là. Vous, les femmes là, votre mari même, il va venir prendre femme. Oui, il y a certains même qui acceptent. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être mariés. Mais le mari même, il fait tout ce qu'il veut et puis il ferme là. Mais nous ne sommes pas des gens de femmes où on doit tout avaler. Où on doit tout avaler. Oui, c'est Tata, c'est Tina Spencer. Va sur le poste de la force tranquille. Vous savez, c'est pour ça, à cause de ces gens-là, que je n'aime pas faire des postes. Parce que quand tu déposes le poste net, des vanipiers comme ça, les nirigbés comme ça, là, chacun vient commenter, chacun vient raconter les petites vies minables. Il vient verser ça ici. Qu'est-ce que vous avez fait pour Babo Laurent? Tina, tu es à Abidjan. Chena Bret, sois salué, ma soeur. Vous êtes à Abidjan. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris bien, Marie-Jeanne Tabo. C'est Tina, c'est elle. Hein? Donc, il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez, vous les femmes là. Vous applaudissez Nadi, le comportement de Nadi à côté du président Gbagbo Laurent. Alors que le président Gbagbo Laurent, il est le garant de la constitution de notre pays. Dans notre constitution là, c'est le mariage là dedans. Si y a pas de valeur là, pourquoi le maire, si ce n'est pas dans la constitution de, pourquoi le maire porte le drapeau de Côte d'Ivoire pour venir? Pourquoi il porte le drapeau? Je n'ai pas compris bien, Marie-Jeanne. Donc, il faut que vous arrêtez. Donc, lui, depuis qu'il est quitté à Bruxelles, il est devenu dictateur. Lui, la démocratie, là, ça n'existe plus. Parce que on le guide. Ah, c'est notre Tina. Ok, ben, tant mieux. Désolé, alors. Ah, c'est notre Tina, épouse au Cra. Des pocres comme ça. Nous là, faut pas nous lancer des filles, hein. Parce que tu seras surpris, ton mari même là. Ça va te surprendre. Le rang de temps que tu vas te rendre compte, quelqu'un dans ton lit. Nous là, on nous lance pas des filles. Dernièrement, tu me regardes, moi on me lance pas des filles. Si tu dis que tu peux pas aimer mon mari là, je te donne quelques jours, fini à ton mari. C'est pas que je suis pas à Abidjan. Tina. C'est parce que je suis pas à Abidjan. Si moi j'étais à Abidjan là, femme Niaboua, moi on ne me lance pas de filles. Hein. Et puis j'ai compris ça propre, et puis elle te donne ça. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc, il ne faut pas faire. Quand une autre femme souffre là, faut dire, ah, la femme là, elle ne mérite pas. C'est que Simone Gbagbo même, elle a subi là. Toi-même, tu mérites. Tu ne peux même pas subir petit même. D'accord? Donc, il faut arrêter. Quand les gens mettent les postes là, ne veuillez pas commenter. C'est à cause de ça que j'aime pas poste. Parce que quand je vois vous mettez les postes, n'importe qui vient commenter les commentaires à la Badiko, ça m'énerve. Moi, quand tu viens sur mon direct, je te bloque. Si tu dis n'importe quoi, je te bloque. Ça, c'est déjà mieux. Parce que quand la personne, il écrit jusqu'à, des fois même, lui seul, il a écrit au direct, il est venu à l'école apprendre à écrire. Juno, il dépose ça. Donc, famille, je reviens dessus. D'accord. Non, mais ils ont dit, non, c'est pas la maman de Arafat. Désolé, Tina Spencer.
Voilà, désolé. Donc, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. J'ai dit, je reviens encore dessus. Pourquoi les gens doivent payer les 1000 francs, 1000 francs? Alors que le président Gbagbo Laurent allait voir Bédié à Daoukro. Vous pensez que nous, on n'est pas au courant? J'ai dit, on est au courant. J'ai dit, de la manière, quand tout ce que vous faites, quand vous finissez là, de la manière, nous, on est assis dessus là. On vous regarde. J'ai dit, le 16 et le 17, ça n'engage que vous. Si vous voulez qu'on vienne tarer sur la toile ici, ça dépend de vous. La balle est dans votre camp. Si vous n'arrêtez pas, la balle est dans votre camp. J'ai dit, nous on est déjà cabrimor. Cabrimor qui n'a pas peur de couteau. 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 Donc nous là, nous sommes déjà des cabrimor. Donc Nadi, t'es marmaille là. On est assis et puis on vous regarde. La balle est dans votre camp. Ou vous reculez, ou on avance tranquillement ensemble. Voilà. Voilà. Vous reculez, sinon on bouge ensemble. Famille, c'était mon petit direct de ce matin. Je m'arrête là. Je m'arrête là et puis on va avancer. S'il y a encore une autre news là, je reviens, j'ai dit, moi je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça. Et quand je vois des gens comme monsieur Vesse, on dirait Vesse, il va soulever Vesse des cadavres. Non, des gens sont payés. J'ai dit, Eve Gégé, on vous attend, votre communication. Yva Hippo, on vous attend, votre communication. Vous que j'ai nommé là, on attend. Les hommes sans dignité, les hommes sans couilles en bas de vous, pour des miettes. Vous vendez votre dignité pour des miettes. Vous êtes des hommes. De toute façon, Yva Hippo, toi, tu es toujours vendu. Tu as toujours vendu ton âme chez le diable. Donc, pitié. Non, je m'occupe pas. Donc, pitié. Nous, là, nous, on lutte pour la souveraineté de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est très malade. La Côte d'Ivoire est très malade. Les gens meurent. Ça meurt. Accident partout. Il y a n'importe quoi dans ce pays-là. Il y a n'importe quoi dans ce pays-là. Quelle la désolence totale dans le pays des gens. Quand ça crie, vous fuyez, vous venez vous soigner ici. Moi, Ouattara, quand tu viens te soigner ici, là, on te pique là. Tout dernièrement, j'étais malade. La première des choses, je suis partie à l'hôpital. Là. C'est sur mon doigt, ils ont piqué. Pour voir ce qui ne va pas. Ou bien pour voir bon, si on doit me mettre en perfusion ou pas. On ne met pas perfusion à quelqu'un comme ça. Hortense, Bruce. Bonjour, maman. Donc, il faut que vous arrêtez. Votre liste, là, on a déjà ça. Mais, prenez courage et puis affichez le nom de Nadi dedans. Ne soyez pas des lâches. Prenez vos courage. Hé, hey, Damana Pigas, prends tes couilles en main et puis affichez le nom de Nadi. Des hommes sans dignité. En 2010, vous avez des couilles pour arracher des papiers pour dire, c'est pas lui qui a gagné. Maintenant, là, vous n'avez plus de couilles en bas de vous. Vos couilles sont devenues fiangales. Jusqu'à vous suivez une petite gamine. Oh, honte à vous, j'ai dit. On est là, jusqu'à la gare. Ou c'est vous, vous reculez, on va ensemble. Si vous ne reculez pas là, ça dépend de vous. Vous reculez, on va ensemble. Ça dépend de vous. Famille, je vais m'arrêter là ce matin. Et puis on va, on revient encore. On est dedans, jusqu'à la gare. C'est ça. Où ça passe, où ça casse. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour Nadi. Je ne suis pas là pour Nadi ou pas Nadi. Je m'en gaba de Nadi. Nadi, elle reste une Kiza. Elle mourrait une Kiza. Toute sa vie, elle serait Kiza. Pourquoi elle se met en pagne?
tu veux ressembler. Ou on... C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais mettre musique et puis on va te laisser. Attends. Mémé, Enda, bonjour. Merci. Sa pépé. Espace, Tanou, bonjour. C'est ça, vous aimez pas la vérité. J'ai dit, on est avec vous. Merci. Merci, merci, merci. Tout va bien, ça va aller. On est dedans. On dit ce que femme veut, Dieu veut. C'est comme ça, ça y est. Fatou Camara, sois salué. Demain, samedi, quand je suis, je quitte au boulot, je reviens. Si j'ai la force, si encore du nouveau, on va venir vous dire toujours. On ne va pas vous cacher quelque chose. Quand il y a quelque chose, on va vous dire toujours. Voilà. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, on va aller ensemble. D'après Macron, il dit la bête, elle est arrivée. Donc la Côte d'Ivoire, on va aller ensemble. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Tu peux reprendre au début, hein? Tu peux reprendre. Voilà, tu peux reprendre au début. Tu reprends au début et puis tu partages Fatou Camara. Tu peux reprendre au, tu peux aller au début et puis tu reprends. Tu écoutes et puis tu partages. Et partager, il faut que ça arrive. De toute façon, le président Gbagbo Laurent n'a pas de téléphone. C'est Si Buko de France, là. De Stéphane Kipré, là. C'est lui qui gère le téléphone du président Gbagbo Laurent. Donc, c'est à nous de faire ta page. C'est à nous de faire ta page. Par exemple, si on veut vraiment que le président sorte de, dans là où il est là, c'est à nous de continuer, de ne pas baisser les bras. C'est vrai, il y a des menaces, il y a des injures, il y a tout dedans. On doit guérir même de ça. On ne doit pas faire pour ça. Par exemple, on doit mûrir dans la tête. Vous avez vu, hein? Moi j'ai eu tous les problèmes dans la diaspora. J'ai eu tout comme problème. Et je suis sorti, j'ai dit moi, mon mental, j'étais fort.
Personne ne peut me traumatiser. Oui, c'est comme ça, ça est. Donc, on va ensemble pour la Côte d'Ivoire où on se laisse. C'est comme ça, ça est. Famille, c'était dit Delenia, dit Maman Gbagbo, soyez salués depuis votre position. Merci, on est ensemble. Toujours prêt pour mon pays. Toujours prêt pour la patrie. La patrie ou rien. C'est comme ça, ça est. Le président Gbagbo Laurent nous avait dit, ça paraît, c'est la vision qu'il a dit, c'est pour ça qu'on l'a suivi. C'est pas vous venir tourner au tout moment. Non, 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 non. Nous, on n'est pas dans ça. La Côte d'Ivoire ou rien. On est ensemble. Merci. Chena Bret, merci. Et puis, partage, partage, partage. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse aussi le président Koudou Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse aussi ma maman, la Daïchi. Simon Gbagbo. Voilà. Merci, maman. J'ai eu ce que tu as fait hier. Merci. C'est ça. La réconciliation, tu es allé là-bas. Je t'ai vu, tu étais. Il a dit, c'est la princesse. Toi, tu peux t'habiller comme. Tu as vu ça? Élégance va tuer. C'est pas ça. C'est pas wow. Voilà. La princesse de Mossou. La princesse. La reine. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Tu peux pas. Tu fais tout pour la ressembler. T'apprends pas. C'est comme ça, ça y est. Il a dit, on est avec ça. On n'achète pas ça comme ça. Élégance là. On est avec ça. Le charme, on est avec ça. Voilà. C'est pas comme ça, c'est pas yaya. C'est comme ça, ça y est. Mais il y a même petit yougou, yougou, qu'importe là. On dit, ouais, femme là, de 75 ans, 72 ans, regarde. 47 ans, regarde. Regarde toi-même avec elle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Très élégant. C'est ça. Hein? C'est ça, Nadi. C'est ça qui est la vérité. C'est pas les yougou yougou. Voilà. C'est pas les yougou. Regarde même ton panier que tu as porté. Quel tailleur qui a cousu? Tokro ou ben, c'est quoi? C'est quel tokro qui a cousu ça? Tu fais pitié. Hein? J'ai dit, ou c'est toi qui recule, ou c'est. J'ai dit entre toi et nous là. On va se laisser au calme. Donc, famille, on est ensemble. Bonne journée. Et puis, c'était moi. Toujours. Tranquille. Ouais, la princesse. C'était dit de Nénia. Dit Maman Gbagbo. Il a dit, ça va rester là. Le nom Maman Gbagbo là, ça est sur moi. Et puis, elle est 15 ans. C'est comment ça y est? Voilà. Ciao, famille.